exemple, elle va te dire, moi j'aime les hommes qui sont là pour moi, qui m'offrent des cadeaux. Une fois que tu fais ça, elle va t'exploiter. Et elle va mourir pour un gars qui ne fait rien pour elle. Donc tu fais tout ce qu'elle veut, mais elle ne meurt pas pour toi. Elle meurt pour un gars qui ne fout rien pour elle. Elle tremble pour un gars qui n'a même pas son temps. Mais tout le temps, elle te dit, un vrai homme doit faire ceci, un vrai homme doit faire cela. Une fois que tu tombes dans ça, c'est fini. Elle t'exploite. Mais elle a les... Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de trois phrases que les femmes utilisent pour exploiter les hommes. Ou si tu veux, trois compliments que les femmes utilisent pour exploiter les hommes. Alors les gars, c'est vraiment très important parce que tous les compliments ne sont pas des compliments. Il y a des compliments qui sont là pour vous garder sous une certaine position. Et il y a des compliments qui sont là pour vous aider à faire sortir le meilleur de vous-même. Et vous devez être capable de faire la différence entre ces deux types de compliments. Ok? Des compliments qui sont là pour vous garder, pour vous exploiter. Et des compliments qui sont là pour vous aider à sortir le meilleur de vous-même. C'est un peu comme dans une entreprise. Si un chef d'entreprise veut bénéficier, veut exploiter le potentiel de ses employés, il va constamment les féliciter à chaque fois qu'un employé fait du bon boulot. Ok? Il va tout le temps le complimenter sur son boulot, le féliciter. Et qu'est-ce qui se passe quand un chef d'entreprise félicite trop un employé? Il crée chez cet employé le désir de toujours bien faire son travail, le désir d'être irréprochable. Et quand tu fais bien ton travail, tu as des augmentations de salaire, tu as des promotions. Donc ça veut dire que le chef d'entreprise, il gagne, toi aussi, tu gagnes. Et c'est la même technique que les femmes utilisent pour exploiter les hommes. La différence, c'est qu'avec les femmes, vous n'aurez aucune promotion, aucune augmentation de salaire, vous n'aurez rien parce que elle fait ça dans le but de vous exploiter. Donc, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune des vidéos, laissez un like et on est parti. Le premier type de compliment que les femmes utilisent pour exploiter les hommes, elles vont te dire, j'aime les hommes qui savent cuisiner. J'aime les hommes qui sont bons à la cuisine. Elles vont te dire que ça fait sexy, ça fait élégant, ok? Ça fait beau de voir comment un homme coupe de la tomate, il coupe de l'oignon et tout ça. C'est bien, ok? C'est bien. Surtout si tu as un cordon bleu, tu as un avantage sur nous qui sommes nuls en cuisine. Mais derrière ce compliment, il y a une demande. En fait, elle est en train de te faire comprendre qu'elle veut un mec qui pourra préparer pour elle. Elle veut un mec qui pourra lui faire des petits plats. Ok? Donc, si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver à préparer pour elle tous les jours. Ok? Au début, tu vas le faire pour lui faire plaisir, mais si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver à préparer pour elle tous les jours. C'est-à-dire, quand elle va sortir, elle rentre, elle trouve que tu as déjà préparé, tu as déjà fait la table, tout est prêt. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle t'a dit, elle aime les hommes qui sont bons en cuisine. Elle aime les hommes qui savent comment préparer. Donc, c'est un piège. Ok? C'est un piège. Dans une relation, vous devez comprendre que chacun doit connaître sa place. L'homme doit connaître sa place. La femme doit connaître sa place. Le rôle de l'homme, c'est de mettre quelque chose sur la table. C'est-à-dire, il sort, il trouve un travail, il est payé, il emmène la nourriture à la maison. Et le rôle de la femme, c'est quoi? C'est de préparer, entretenir son homme. Faire en sorte que son homme soit toujours rempli. Ok les gars? Donc vous devez comprendre ça. Je ne dis pas que vous ne devez pas préparer pour vos chéris. Ok? Si vous savez comment préparer, vous pouvez lui faire plaisir. Quand vous sentez le besoin, pas quand elle veut. Parce que c'est son rôle à elle de préparer. Mais si en la faisant plaisir, vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver à préparer pour elle tout le temps. La grande dame sera maintenant peinard, elle va se limer les ongles pendant que toi tu es à la cuisine. Pourquoi? Parce qu'elle t'a dit qu'elle aime les hommes qui sont bons en cuisine. C'est un piège et vous devez faire attention. Ok? Même si que tu sais comment cuisiner, c'est son rôle à elle de cuisiner. Tu le fais peut-être si elle est malade, ok? Si elle est malade, elle a vraiment mal au poing, elle a besoin de prendre des forces, tu peux préparer pour elle. Tu peux aussi le faire si tu veux lui faire plaisir. Ok? Par exemple, un week-end comme ça, tu décides de faire un petit truc pour elle, juste pour lui faire plaisir. Mais ça ne doit pas être maintenant fréquent. Ça ne doit pas être tout le temps. Donc ne tombez pas dans le piège des faux compliments qui sont là pour vous mettre dans une certaine position, qui vont vous obliger à réaliser des choses pour elle.
parce qu'en réalité, elles ne veulent pas. Surtout les femmes qui ne savent pas comment préparer. Elles vont te dire, moi j'aime les hommes qui sont bons en cuisine, qui savent comment cuisiner. Ou bien elles n'aiment pas préparer. Elle a toujours la flemme de préparer. C'est ce genre de compliments qu'elles vont vous donner. Ok les gars, donc vous devez très faire attention à ce genre de compliments. Le deuxième type de phrase que les femmes vont te donner pour t'exploiter, elles vont te dire un vrai homme est capable de faire ceci, un vrai homme est capable de faire cela. C'est un piège. En fait, en te disant qu'un vrai homme est capable de ceci ou de cela, elle touche ton ego, elle touche ta personne. Parce qu'elle sait qu'en touchant ton ego, tu vas faire des choses pour lui montrer que tu peux faire. Tu vas faire des choses pour lui montrer que tu es l'homme. Mais en fait, tu n'as rien à prouver à une femme. Tu n'as rien à prouver même à des hommes comme toi. Ok? Par exemple, elle va te dire, un homme ne parle pas trop. Un vrai homme, il fait seulement les transferts d'argent. Elle va te dire, un vrai homme, quand c'est l'anniversaire de sa meuf, il ne parle pas trop. Il envoie seulement un message, joyeux anniversaire. Après, il dit, je t'ai fait un transfert. Elle va te dire, un vrai homme, pendant la Saint-Valentin, il offre un bouquet de fleurs avec des billets à l'intérieur. Le genre de bouquet de fleurs qui ont les billets à l'intérieur. Un vrai homme, elle va tellement te dire ce qu'un vrai homme est capable de faire juste pour toucher ton ego. Et ce genre de femme, hein, si vous leur demandez qu'est-ce qu'une vraie femme est censée faire, vous allez voir qu'elle est incapable de répondre. Incapable. Si tu lui demandes qu'est-ce qu'une femme, une vraie femme est censée faire, elle est incapable de répondre. Mais si tu lui dis qu'est-ce qu'un vrai homme est censé faire, elle peut te faire 10 listes de ce qu'un vrai homme est censé faire. Donc quand une femme te dit un vrai homme est censé faire ceci, un vrai homme est censé faire cela, c'est une manière de toucher ton ego, de te pousser à faire quelque chose pour elle. Et si tu ne fais pas attention, tu seras ruiné. Tu seras ruiné. Parce qu'elle t'a dit qu'un vrai homme fait des transferts, dès que la fin du mois arrive, tu commences à prendre tout ton salaire, tu l'envoies, juste pour montrer que tu es un vrai homme. Non, mon frère. Ce n'est pas en donnant de l'argent que tu es un vrai homme. Ce n'est pas en donnant de l'argent. Parce que pour les femmes, un vrai homme, c'est celui qui fait ce qu'elles veulent. Tant que tu fais ce qu'elles veulent, pour elles, tu es un vrai homme. Mais la réalité, c'est que ce qui est marrant dans ça, c'est que les femmes n'aiment pas les hommes qui leur offrent tout ce qu'elles veulent. Elles n'aiment pas. Je m'explique. Par exemple, elle va te dire, moi j'aime les hommes qui sont là pour moi, qui m'offrent des cadeaux. Une fois que tu fais ça, elle va t'exploiter. Et elle va mourir pour un gars qui ne fait rien pour elle. Donc tu fais tout ce qu'elle veut, mais elle ne meurt pas pour toi. Elle meurt pour un gars qui ne fout rien pour elle. Elle tremble pour un gars qui n'a même pas son temps. Mais tout le temps, elle te dit, un vrai homme doit faire ceci, un vrai homme doit faire cela. Une fois que tu tombes dans ça, c'est fini. Elle t'exploite. Mais elle a les sentiments pour un homme qui n'a pas son temps. Elle pleure pour un homme qui ne fout rien pour elle. Mais à toi, elle te dit, un vrai homme doit faire ceci, un vrai homme doit faire cela. Tu dois faire attention. C'est un piège. C'est un piège, frère. Ok? Donc ne suis pas toutes ces conneries de un vrai homme. Machin, si tu m'aimes, tu es censé faire. Si, non, frère. C'est de la manipulation et c'est un piège. La troisième phrase, elle va te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Quand tu vas lui dire ce que tu fais dans la vie, elle va dire, oh, c'est bien, au moins tu te débrouilles, au moins tu n'es pas comme les autres qui ne foutent rien de leur vie et tout et tout. Frère, dans ça là, elle est déjà en train de voir comment tu peux t'occuper d'elle. Les femmes ne se mettent pas en couple pour rien. Les femmes ne font rien pour rien. Ok? Les femmes sont un peu comme le diable. Le diable ne fait rien pour rien. Quand le diable te donne quelque chose, il attend quelque chose en retour. Il n'y a rien sans rien. Ok? Donc, quand une femme te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie et que tu lui dis par exemple que tu travailles dans une entreprise, et si elle connaît le palmarès de l'entreprise, elle sait automatiquement, le gars, il est bien payé. Avec lui, je peux avoir un truc. Oh non, je gère un petit business, j'ai un petit restaurant en ma charge et tout. Elle sait que s'il a un restaurant, chaque semaine, il a quand même quelque chose. Elle voit déjà comment tu peux t'occuper d'elle. Elle voit déjà ce qu'elle peut gagner avec toi. Donc, elle va te dire que, oh, c'est bien, au moins tu n'es pas comme les autres hommes qui ne foutent rien de leur vie. Toi, au moins, tu te débrouilles. Dans tout ça, là, elle réfléchit déjà comment elle peut gagner avec toi. Elle réfléchit déjà comment elle peut se comporter avec toi pour gagner quelque chose. Donc, les gars, ne tombez pas sur ce piège. Ne tombez pas sur ce piège, les gars. Les femmes vont vous complimenter dans le but que vous réalisez des choses pour elles. Parce que, en réalité,
c'est qu'elles veulent que vous fassiez pour elles, elles sont incapables de faire ça pour vous. Et elles savent que si elles vous demandent ça ouvertement, vous n'allez pas le faire. Donc elles passent par des compliments, elles passent par de la manipulation, elles vont vous amadouer, tout ça pour vous pousser à faire ce qu'elles veulent. Donc les gars, faites très 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 attention. Il y a des compliments qui sont là pour vous garder, pour vous assujettir. Il y a des compliments qui sont là pour vous aider à faire sortir le meilleur de vous-même. Vous devez être capable de faire la différence entre les deux. Parce que les femmes sont dangereuses, les gars. Dangereuses. OK? Donc, voici ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, active la cloche pour ne manquer aucune des vidéos, laisse un commentaire et la force est dans le partage. Et surtout, porte-toi bien.